Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas qu'on fasse les œufs à la neige. C'est pas juste. Moi, j'ai tout préparé. C'est pas ça. Mais tu comprends, je rate tout ce que je fais aujourd'hui. Les maths, la compétition de natation. Alors les œufs à la neige, t'imagines? Il n'y a rien de plus simple. Et même si on les ratait, ce ne serait pas une catastrophe, hein? Alors dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as préparé? 10 œufs, 1 litre de lait, 630 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, de l'eau et du sel. C'est tout ce qu'il faut pour un gros dessert comme ça? C'est la magie de la cuisine. Mais au fait, c'est quoi des œufs à la neige? Des blancs d'œufs battus et montés en neige qu'on fait cuire. C'est ça que j'ai peur de rater. Avec une crème vanillée et du caramel. Moi, je sépare les blancs des jaunes, d'accord? Prune, tu veux bien nous aider? Par quoi on commence? La crème anglaise. Allons-y. Oui, c'est ça. On gratte bien l'intérieur du bâton de vanille. On met les graines et le bâton dans la casserole. On ajoute une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait, une pincée de sel et on met à chauffer. Voilà, sur feu moyen. Puis on mélange les jaunes avec 200 g de sucre. On peut utiliser le fouet électrique? Oui, 4 minutes à vitesse moyenne si tu veux bien, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Le lait va déborder, Michel, vite! Je m'en occupe. Il est presque à ébullition. On va pouvoir le verser sur les jaunes. Je fais quoi, moi? Mélange doucement, si tu veux. Bob, tu veux bien porter une autre casserole? Et maintenant, on commence la crème anglaise. On y verse le mélange et on le met sur le feu. À feu très doux. Puis, on tourne sans arrêt, en raclant le fond jusqu'à ce que la crème épaississe. Pendant environ 10 minutes. Ça irait pas plus vite si on augmentait la chaleur? Absolument pas! Et c'est le premier secret de la recette. La crème ne doit pas bouillir. Elle ferait des grumeaux. Environ 10 minutes, c'est plutôt vague. Mais vous verrez, il y a un truc pour voir si la crème est assez épaisse. On monte les blancs maintenant? Oui, et avant, on n'oublie pas de nettoyer le fouet. Alors, pour cuire les blancs, on remplit le plat à gratin d'eau chaude aux 3/4, d'accord? Et on règle sur feu doux. Ça y est, j'ai mis le sel. Je peux commencer à la vitesse lente? Oui, 30 secondes, pas plus. Et on passe à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il soit presque monté. Je vais avoir besoin d'un glaçon. Pourquoi? C'est trop chaud? C'est pour la recette. Encore 2 minutes de patience et vous saurez. Regardez, les deux côtés restent bien séparés. Et voilà comment on vérifie si la crème est assez épaisse. Ensuite, on la verse dans un saladier. Michel, tu m'oublies ou quoi? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Oui, mais il faut ajouter doucement 100 g de sucre en pluie fine jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Je fais quoi de mon glaçon? Je le regarde fondre? Oui, mais dans la crème anglaise. Allez, vas-y, n'hésite pas, tourne avec le fouet. Tu le fais fondre complètement, car si on laisse la crème trop chaude, elle risque de tourner. Ça y est, il n'y a plus de glaçons. Très bien, on va mettre la crème au réfrigérateur, 2 heures au minimum. J'ai fini. Très bien, Prune, ils sont bien fermes. Alors, il nous faut un torchon propre et une grande cuillère. Pour essuyer quoi? Rien, mon grand, on l'étale à côté de la cuisinière. Si on les cuit dans l'eau, ils ne vont pas être trop fades? Ça, c'est le 3e secret de la recette. On prend 1/6 des blancs avec une cuillère. On forme une boule grosse comme ça. On la fait glisser dans l'eau qui ne doit pas bouillir. Sinon, ça abîmerait les blancs. Exactement. Si on les cuit trop fort, ils perdent leur fermeté. Après 2 minutes et demie, on les retourne délicatement et on les poche encore 2 minutes. Voilà,
On les sort et on les égoutte sur le torchon. Et on les oublie jusqu'à l'heure du goûter. Bob, tu veux bien sortir la crème? On va faire le caramel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les écraser comme ça. Prends une spatule. Michel, il n'y a plus de place. Posez deux boules sur les trois premières et la sixième au-dessus. Vous verrez, ça ira. Vous voyez? Maintenant, il faut 330 g de sucre et 7 centilitres d'eau. On verse l'eau et le sucre. Puis, on met sur feu très fort. Là, on voit le sucre fondre. Il commence à bouillir. Sa couleur change. Elle passe du blanc à une jolie nuance dorée. Là, on prévoit une grande cuillère. On retire très vite la casserole du feu, sinon le caramel aura un vilain goût de brûlé. Et puis, on ajoute une cuillère d'eau. On verse le caramel sur les blancs. Et on va attendre qu'il se solidifie. Je suis sûre qu'il est déjà tout dur. Oh non, ça prend environ 20 minutes. Ça, c'est de la torture. On a le temps de se rappeler tous les secrets de la recette. Il y en a beaucoup cette fois. Oui, il y en a trois. Le premier, c'est... La crème, elle ne doit pas bouillir. Oui. Le deuxième. Il faut mettre un glaçon dans la crème. C'est ça. Et le troisième. Je sais, il faut pocher les blancs dans de l'eau, pas dans du lait. En tout cas, elle est pas ratée. On va avoir besoin d'une passoire, non? Celle-ci ira? Oui, chef. Pose-la sur l'évier si tu veux bien. Tu es sûr qu'on a tout pour cette recette? Lis la liste des ingrédients. On va revérifier. Alors, pour faire un cake aux olives et... Un cake? C'est quoi un cake? Je connais pas. On dit un cake. C'est un mot anglais. Pour faire un cake aux olives et au jambon, il faut 250 g de farine, une tranche très épaisse de jambon cru, 200 g environ, 150 g de... gruyère râpée. Je t'aide un peu, 20 cl de jus de raisin blanc. Un pomme de 160 g d'olive verte dénoyautée. 4 œufs, 20 cl d'huile d'arachide. Un paquet de levure chimique, une grande cuillère à soupe de beurre ramolli, du poivre, mais surtout pas de sel. Voilà, tu te sers de produits chimiques. De levure chimique. C'est un mélange de plusieurs sels. Ce qui est chimique, c'est la réaction qui se produit à la chaleur du four. Un gaz se dégage, comme par magie, et il fait lever la pâte. Broum, broum! Attention, mesdames et messieurs, de la magie! Toujours de la magie. À propos, Michel, j'allume le four? Oui, à 200 degrés, ou à 6,5 au thermostat. À partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Vous faites la recette tous les deux. Tu restes quand même avec nous, non? Parce que j'ai un peu de mal à lire ton écriture. Moi, je comprends tout, mais c'est mieux si tu restes près de nous. On commence par quoi? Les olives, on les met dans la passoire. Il faut les rincer longtemps à l'eau froide. C'est ça le secret de la recette. Pourquoi on les lave, Michel? Elles sont sales? Non, elles sont conservées dans la saumure, un mélange d'eau et de sel. Pour que le cake ne soit pas trop salé, il vaut mieux enlever la saumure. Hey! Elles sont assez rincées, je crois. On va les laisser égoutter. Cake, il faut préparer la pâte. En avant! Je sépare le jaune du blanc. Pas cette fois, Bob. Dommage, je suis devenu le champion du séparage. Personne ne peut me battre. Eh bien, maintenant, tu vas devenir le champion du tamisage. Si on n'a pas de tamis, on prend une passoire à trous fins. On la pose sur un grand saladier. On verse dedans les 250 g de farine.
et le sachet de levure. On a dit du cake aux olives et au jambon. Pas du cake aux olives, au jambon et au papier. Alors, fallait dire, on verse la levure. Tu as raison, Bob. En cuisine, il faut toujours être précis, surtout quand on fait de la pâtisserie. Regardez, on tient le tamis de la main gauche et de l'autre, on tapote le bord du tamis avec une cuillère en bois pour que la farine mélangée à la levure tombe en pluie dans le saladier. Pourquoi on ne met pas directement la farine dans le saladier? Eh bien, pour qu'elle ne fasse pas des paquets quand on va la mélanger aux œufs. Je casse les quatre. C'est promis, je ne mettrai pas de petits bouts de coquilles cette fois, vous allez voir. Je mélange avec quoi? Le fouet? Commence plutôt avec la cuillère en bois. On ajoute l'huile et 20 centilitres de jus de raisin blanc. On mélange encore et on continue au fouet électrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de la crème fraîche. On la laisse de côté un petit moment et on va beurrer l'intérieur du moule. Moi, moi, moi! J'ai besoin de combien de beurre? Une cuillère à soupe. Bob, 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 avec le pinceau, c'est plus pratique. Oui, sur les côtés et sur le fond, c'est très bien. On met quoi dans la pâte? Ah, mais je suis bête, je suis sûre qu'il y a un ordre. Le gruyère râpé, oui, c'est ça. Bravo! Il s'incorporera mieux dans la pâte si on le met en premier. On le laisse tomber en pluie, doucement, et on mélange avec la spatule en caoutchouc. Je crois que ça va comme ça. Je peux ajouter le jambon maintenant? Oui. Et les olives? Ça doit être un drôle de métier, des noyauteurs d'olives. Et le poivre? On a oublié le poivre. Pas trop. Et on mélange longtemps. Ça, c'est pour te donner encore plus faim après. C'est surtout pour que tous les ingrédients soient bien répartis dans la pâte, bien sûr. T'arrête pas, ça va muscler tes petits bras. Merci, je fais déjà assez de sport comme ça. C'est parfait, Brune. On peut verser la pâte dans le moule beurré. Voilà, magnifique, il n'y a plus qu'à le mettre au four. Préchauffé à 200 degrés. Très bien, maintenant on laisse cuire 1h10. Hein? 1h10? Je vais mourir de faim, moi. Et on doit le laisser tiédir avant de le démouler. C'est trop dur pour moi. Je peux pas rester là, attendre le ventre creux. Ce ne serait pas plutôt pour me laisser ranger toute seule? Par hasard? Je ferais pas ça à ma petite sœur préférée. C'est sympa, je savais pas que t'en avais une autre. Je suis très fière de vous. Vous êtes de vrais petits chefs. Pourquoi on met surtout pas de sel? On est au régime? Goûte, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est déjà salé. Évidemment, on a mis déjà plein de choses salées dans la recette. Les olives, le gruyère et le jambon. Et même si on a rincé longtemps les olives sous l'eau froide, il faut pas ajouter de sel. Trop bon!